De Vite et de François. Cette photographie que nous prenons de la société française montre incontestablement une société en tension. Et face à ça, naturellement, il ne s'agit pas seulement de se plaindre, il s'agit d'agir en restituant la réalité des droits à ceux qui en sont privés aujourd'hui. Je pense que nous pouvons très fortement contribuer à plus de tolérance, plus d'harmonie et un sentiment d'appartenir tous à la même République. Aujourd'hui, nous constatons une sorte de mouvement de la société que l'on a trop longtemps négligé. C'est la multiplication d'écrits, de propos, de comportements qui relèvent du rejet, de l'exclusion, de la haine de l'autre. Et ceci crée un climat qui est terrible pour une nation comme la nation française et pour notre République. Il y a des tensions qui existent au sujet des discriminations. Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de discriminations dans l'emploi, dans le logement. Il existe beaucoup de discriminations qui sont liées au handicap, à l'âge, au sexe, à l'identité de genre, à l'origine naturellement.